Ah, direct. Ça commence. Je viens juste de lancer le jeu. Le jeu, c'est... Vous avez pas... Vous pouvez pas vraiment, genre, lancer le jeu tranquillement, vous placer, tout ça. Non, non, il faut... Vous lancez le jeu, vous jouez. Oh la vache. Je suis pas encore là, moi. Alors, la dernière fois, on avait battu un gros méchant. J'ai vu qu'aussi que ma maîtrise, maintenant, dépasse les 15. J'ai remarqué, parce qu'avant elle était limitée à 15. Donc je pense qu'en fait on est à la deuxième partie du jeu. Donc ça va sûrement être beaucoup plus difficile. On avait gardé donc pas grand chose. Bah les modules de combinaison, parce que ça nous permet de... d'aller à différents lieux. Enfin ça débloque des habilités, tout quoi. Les objets clés. Et c'est à peu près tout. Enfin après on avait... oui, nos armes sont augmentées parce qu'on a plus de maîtrise. Donc en gros la maîtrise elle doit rester. Ouh j'ai froid. La maîtrise elle doit rester. Et on récupère donc du coup des armes au niveau. Par contre il y avait des cubes, on en a récupéré que deux dans notre bordel. Là. Je sais pas si on peut appeler ça un cycle parce que si on n'est pas vraiment mort donc... on a récupéré que deux cubes. Je sais pas si c'est bien ou pas. Donc ouais. Une seconde. Donc ouais, le boss de fin était... Enfin le boss de fin du début en tout cas, était vraiment fun. C'était vraiment... ouais, c'est mouvementé et tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était cool. Ça rappelait... Ouais, non, ça me rappelle Doom, honnêtement, ce jeu. Genre côté un peu aventure, exploration, bourrin. Du coup, on était là... Non, c'est la porte qu'on doit visiter, ça. Ouais. Non, on doit continuer. Ça, c'est une porte qui était fermée. Je sais plus qu'elle était fermée comment. Ah oui, par une clé. On a plus de clé. Ouais, là, on a le laser, c'est ça. Le tir secondaire. Ouais. Faut que je fasse attention parce que le laser des fois il a pas l'air de se déclencher. Non de. Oui de se retirer. Le laser continue là. Parce qu'on est vraiment très très Oh merde. Limité en mouvement, c'est dangereux. Non, faut... Oh non non non, saute putain de merde. Bordel. J'avais fait un sprint, du coup j'ai pas pu sauter. Enfin, ouais. Bien, on a perdu toute notre adrénaline, c'est cool. C'est cool. Un peu froid. Ah, on retourne repasse à la maison. Attends, il y a un point d'interrogation. Ah. Non. La maison sur Atropos. Quelqu'un a laissé les lumières allumées. C'est ouvert. Ok. C'est reparti. Cela a changé. C'est comme si quelqu'un bougeait les choses. Coucou, mon chéri. Je rentre pas ce soir. Waouh, c'est ça ton message ? Maintenant ? Je n'en ai pas eu besoin depuis un moment. Pourquoi ça, la schizophrénie ? Écrit quoi? J'arrive pas à lire. Okay. Wow, ok. Ça ira plus, hein? Non?
Genre, les ténèbres, ça va, quoi. Eh oh. Qui est là? Il y a des boîtes de médicaments partout. Ah. Startup. DOS commande. Append signé à backup. Retard dans notre correspondance adéquate. Astra a trouvé un moyen de. Oh. Wow. C'est quoi ce boucan? Wow, il y a des ténèbres partout. C'est un truc qui est en bas? Ah oui, c'est un truc à la porte d'entrée, je crois. Ah! Bonjour. Je me demande si c'est pas elle qui est dans un coma ou un truc comme ça, genre ils essayent de la sauver, et ça c'est genre un coéquipier ou quelqu'un qu'elle aime, enfin quelqu'un qui est proche d'elle plutôt, l'astronaute. Il va être derrière, non? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Non, ça ira. Toujours pas, non. Après, j'espère que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que si c'est le fait de... Ouais, c'est tout dans sa tête. Honnêtement, ça c'est un truc que j'aime pas du tout. Donc j'espère que c'est pas ça l'histoire. Je me souviens. Oh. Oh, ça tue d'avoir un jouet comme ça. Ah, j'aurais eu une meilleure enfance avec un jouet comme ça. Ah, encore ce cube. Je n'ai jamais vu ça. Retard regrettable. Correspondance inadéquate. Ah, elle a été refusée. À qui est-ce adressé ? Elle a été refusée d'Astra ? Oui, apologize for the regrettable délai en vous répondre. Non, tu appliques une chose. Non, tu expliques. Bah, attendez, je peux sûrement lire en français. Nous tenons à nous excuser du retard regrettable de notre réponse. Avec un nombre aussi phénoménal de candidats parmi lesquels choisis, notre situation inattendue est aussi extraordinaire que sans précédent. Après une analyse approfondie des éléments de votre dossier, malgré toutes vos qualités, nous avons choisi de continuer avec d'autres candidats dont les formations et les aptitudes sont plus en accord avec nos besoins actuels et à venir. Fouf! La façon dont c'est phrasé, c'est... Ah, ça te casse le moral, quoi. Genre, vous enlevez toute la partie au début, vous dites bonjour, et après, vous mettez... on a décidé de choisir d'autres personnes, quoi. Basta, pas besoin de dire que inattendu, extraordinaire, machin, qualité énorme et tout, puis au bout d'un moment, tu dis non. Pour l'heure, nous pensons que vos capacités sont d'une correspondance inadéquate aux besoins des missions dans l'espace profond. Si d'autres positions plus adaptées à vos compétences venaient à être proposées, nous invitons à reposer votre candidature. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre programme, bien cordialement, commandement Astra. Okay.
J'ai l'impression que ça va être... C'est possible, hein, mais ça me donne un peu des vibes... The Evil Within, où tout est faux, en fait. Peut-être. Genre, c'est ou dans un programme, ou dans sa tête, ou un truc comme ça. Enfin, j'espère vraiment pas que c'est dans sa tête, quand même, ce serait con. Mais peut-être dans un programme. Objet personnel, boîte à musique. Ça me ferait un peu chier que tout soit pas réel. Ah oui, par contre, il y a un passage là. Je pense pas y accéder encore. Ouais, non. Non. Genre, je fais pas double saut ou un truc comme ça, il manque. Ah, nouvelle arme. Alors, électrobaliseur. Barrage horizontal, extracteur de silphium. On va voir un peu. C'est quoi ça? Électrobaliseur. Équipement. Alors, une arme sentiente. Sentiente, c'est comme ça qu'elle prend. Efficace à courte et moyenne portée, elle tire des pylônes qui s'attachent aux surfaces et aux ennemis. Après s'être attachés, les pylônes commencent à émettre de l'énergie entre eux et les autres pylônes des ennemis. Leur portée inflige des dégâts constants. La conserve d'énergie de chaque pylône est limitée et une fois épuisé, le pylône se dissout. Mmh. Les ennemis ont plus de chances de lâcher de la résine. Fait des dégâts ou pas? Ouais, ça... Ouais. Je vais être honnête, pour le moment on va le mettre de côté, on va le garder de côté. Enfin on va pas l'utiliser, parce que je voudrais avoir l'expulsion rapide en fait, du fusil à pompe. Parce que le fusil à pompe honnêtement il est pas extrêmement bon, pour le moment. Mais si on peut le transformer en semi-auto, là on va rigoler. Ah, je savais bien qu'il y avait des... J'ai vu la lumière. Ouais, une fois que... Si on peut le transformer en semi-auto, je pense qu'on va rigoler. Donc on va rester sur ça pour le moment. Surtout qu'il fait très mal celui qu'on a. Oh là là. Merde. Oh la vache. What? Oh. Ok. Putain de merde. Non. Oh là là, je suis pas chaud, hein. Alors là, on peut dire que notre run, je viens complètement de le... Complètement de le merder. Le problème c'est qu'en fait il est très lent le laser, c'est pour ça que ça, pour ça que ça me fout dans la merde. Oh mon dieu, ah super. Le laser il s'est pas déclenché, il s'est pas... Ouais. Voilà, voilà, mais j'ai... Voilà, je suis pas chaud du tout, j'ai niqué mon run, c'est bien. Voilà. Éternel retour. Mais voilà, très bien. Bien joué. On avait un super run et j'ai les mains froides. Je suis pas encore dedans. Et j'ai tout merdé. Je vais voir ce qu'on a sur nous. Putain, c'est vraiment bien. Vraiment bien. Bon.
Bon, après, on était en début hein, de cycle. Ah là là, quel débile. Ah, attends, ils viennent de partir, là, les trucs. Ils viennent de disparaître. Rechercher d'autres communications connectées, les hauteurs de ceux qui nous ont précédés. Ah, je suis dégoûté. Une porte. Une invitation. Tour de Sisyphe. Tout équipement non essentiel sera supprimé après utilisation. On parle de déplacement essentiel. Ouais, ça va. Bah, vu qu'on vient de... Je sais pas. Ouais. Ah là là, qu'est-ce que je suis nul. Ouais, je me suis emmêlé par le dash et le sprint et le saut. Journal de reconnaissance. Atropos. Une tour est visible depuis le site du crash. Je ne vois pas son sommet. Et pourtant, elle m'appelle jusqu'à elle. Pour découvrir ce qu'elle renferme. Pourquoi? Que me veut-elle? Oh, wow, wow. À reconstruire nos corps brisés, Algos qui encercle. Ouais, une fleur de peau conscient. C'est quoi cet Algos? Je sais pas. Ça a pas l'air fun. Quitter la tour. C'est quoi la tour? En fait, la tour, c'est quoi? C'est par rapport à l'histoire principale ou c'est un truc supplémentaire? Peut-être un truc différent. Fragment. Ah, c'est nouveau. En plus. C'est quoi? C'est une arène? Putain, bien joué. Multiplicateur, score. Ah oui! Ah, phase, sale, meilleur. D'accord, non, c'est vraiment, c'est un truc. Contre la montre et tout en fait. Roquette critique. Oh, ma maîtrise! On a perdu toute la maîtrise. Oh là là, c'est moche. À plus de 15. C'est quoi mon tir secondaire? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Capsule de vrille. Capsule qui libère des vrilles offensives. D'accord. Ouais, sympa. Oh là là, le rechargement comme il est long, si je veux. Ah, mais bien joué, bien joué.
Oh la vache! Ouais, mais non, on va partir d'ici. Hein. Quelle merde. Putain, je suis nul. Brise bouclier. Ah, je suis tellement pas heureux de mon... de ma prestation. Ouais, y a un peu de soin. Vas-y, le laser là. Oh mon dieu, non. Non. Oh là là. C'est un peu moche, hein, le combat. Désactive toutes les tourelles de la zone. Ouais, ça, c'est intéressant ça. Comment je sors? Journal de reconnaissance Atropos. Oh mon dieu, c'est l'architecte de cette tour. Elle est totalement différente des autres ruines. Ses premiers niveaux s'harmonisent avec l'architecture et la technologie qu'on voit ailleurs sur Atropos. Mais plus haut, c'est différent. Quel genre d'être peut construire l'infini? Alors, la traque avec l'obus explosif, ça c'est bon. C'est fermé. Non! Putain de... Ah. Pourquoi je vais là-dedans, moi? Je suis con ou quoi? Ah, j'ai désactivé les tourelles. J'ai utilisé l'objet qu'on a récupéré. Ah mais je suis gros, un gros débile des fois, c'est bien. Okay. Je suis un débile, un débilos. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Clé. D'autres lasers, ouais.
deux trucs derrière moi. Ok, on va devoir s'arrêter parce que là je... Enfin, je voudrais bien retourner sur l'histoire moi. Alors, on a un flux électrique avec ça. Ah, la visée mortelle. Ça c'est le fusil à pompe. Ouais, non, par contre, là on est que en dégâts avec la carabine. Tout critique, gros calibre, cartouche multiface, projectile dentelé. C'est quoi projectile dentelé? Ça je connais pas ça. Projectile inflige des dégâts supplémentaires sur les durées. Ok, ça c'est un dot. Ouais, on va garder ça pour nous. Fabricateur. Ouais, mais je voudrais bien sortir en fait, honnêtement. Là, il y a un coffre à prendre. Je vois pas trop comment y accéder au coffre. Pour, comme ça, là. Il y a un escalier. D'accord. C'est bien. Donc, on a une défense avant de... On a quand même un coup où on peut se prendre et pas perdre notre, notre adrénaline, ça c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ma grenade. Non, pourquoi pas. Voilà. Oh, monte. Ça se passe mieux avec ça quand même. Hein. Choix 6, Sisyphe 1. Dans certains stages, vous trouverez des fabricateurs à double charge de choisir un objet avant de continuer. Alors, je vais voir. Augmente les dégâts des armes du pendant tant que vous avez un dysfonctionnement. J'ai pas de dysfonctionnement pour le moment. Surcharge, réussir. Ah oui, ça c'est bien. Moins de délai sur le tir secondaire. Ouais, c'est super bien. Merde, pas mort. Ouais. Moins. Attends, d'abord on prend le coffre. Ah, c'est un pistolet. Ouais, mais il est niveau 5.
Et niveau 5. Non, 11, pardon. Le 5, c'était notre arme. Attends, il y a un calife d'abord. Ah merde! Oh là là, je vais lutter à le recharger. Faut que je m'habitue. Ah là, bien. Bloqué. Venu. C'est quoi ce que tu... Oh! Où cette chose m'a-t-elle envoyé? Oh mon dieu! Bien joué. Par contre, attends, il fait quoi mon tir secondaire du flingue? Parce que j'ai pas compris. Brise bouclier. Des charges uniques qui brisent les boucliers et infligent des dégâts. D'accord, ok. C'est pas... Je préférais une grosse explosion. Mais... Relique inconnue. Augmente les dégâts des armes de 5% pour tous les 200 alloués transportés. Masque de 15%. D'accord. Alors, on a la traque évidée en 14. On a des projectiles d'entrée. Ouh, fou. Ça va faire mal ça. Ah par contre on a le laser, je suis pas très fan. Bon bah quand on verra des boules blanches comme ça, bah il faut aller dedans. Intéressant. C'est pour ça que la créature reste loin de nous en fait. Alors, dégâts des armes 10%, l'intégrité max. On va prendre du dégât pour le moment. Là on a une bonne arme rapide. Ah oui merde, c'est le... Putain, c'était pas des éclats ça. Ce n'était point des éclats. On s'ébrouille bien en fait. Mais ouais, j'aurais bien voulu continuer l'histoire. Enfin.
Alors, toile de pylône. Ah oui, attends, c'est l'arme qui met des... Fais voir, c'est quoi ça? Alors, visée morte. Ouf, visée mortelle, c'est pas mal. Tire simultanément avec tous les pylônes en créant une toile. Ah, j'ai bien envie de tester, voir un peu ce que ça peut donner, en fait, là. Il faut la tester en fait. Et en plus elle a un bon deuxième tir. Oh mon dieu, c'est un boss. Non, j'ai peut-être mal pensé. Ok, là on va être dans la merde. Si le truc il vole, je fais comment moi? Elle m'attend. Elle me juge. Assez. Assez. Je fais comment avec mes putains de pylônes? Oh la vache, putain de toi quoi. D'accord. Ça va tomber. Ouais. Bien. Bien joué. Comme une merde. Ok. C'est quoi son nom? Algos? What? Avertissement du fonctionnement permanent. Tu n'as plus le droit de me regarder. Dysfonctions permanents. Les dysfonctions permanents sont des effets négatifs qui persistent pendant toute la durée d'un cycle. Le seul moyen de s'en débarrasser est de commencer un nouveau cycle. What? Tant que vous êtes immobile, réduit les dégâts des armes de 75%. Oh, mais c'est super. Bon, du coup, ça peut bien s'accrocher en fait aux ennemis, les tirs. Bon, ça va. Donc, à la limite, si c'est un machin qui est loin et qui vole, ça passe. Ah, donc on peut utiliser les dysfonctionnements permanents, genre avec les parasites, comme ça. Phase 2. Ouais, je peux sortir? Ouais, fun ici. Alors, répare tous les dysfonctionnements, immunise contre les effets de rançon, ça c'est bien. Ramasser une résine, vous confère un bouclier contre le prochain coup, augmente les dégâts des armes. Ouais, j'ai pas assez pour quoi que ce soit. Ouais, bon, l'arme peut être intéressante, surtout si elle commence à tirer, elle fait des toiles de pylône. Peut-être que ça peut être intéressant après. Prépare une partie importante de l'intégrité. Mais non, mais sans déconner, par contre, je peux pas sortir de la tour. Non, je peux pas sortir de la tour. Genre, faut mourir, quoi. Bon, c'est pas grave. Ouais, les dégâts sont très bons par contre. Je dirais que les dégâts sont extrêmement bons.
Et après, notre tier sniper, là, il aide. Oh là-bas, c'est beau. C'est classe. Notre tier sniper aide beaucoup. Ah, ça, c'est le lance-roquette. Ouais, non. Non, non, ça... Non. Si je peux, je voudrais bien garder la même arme. Et c'est un tracker. Non. Ah, putain, il y a trois types... Attends, il y a trois améliorations. Du coup, ça, c'est donc la carabine. Donc on a charge la sous-munition, les ennemis lâchent des bombes miniatures quand ils meurent, ça c'est intéressant. Temps en régime, renforce contre la protection. Et ça truc. Ouais. Ah ça m'embête, je voulais vraiment finir la toile, mais bon celle-là elle est quand même vachement bien. En plus ça l'a renforcée, donc ça augmente la protection de base. Voir un peu. Protection, on est à 10%. On fabrique un objet gratuit. Waouh, ça c'est bien, mais faut tuer en mêlée. Mais ça, les animations ont 10% de chance de réparer l'intégralité, ça c'est top. Bon là par contre, on est vraiment là dans le roguelike là. Genre les membres fantômes. Genre les améliorations et tout. Là c'est du pur roguelike par contre. Là j'avoue, là je le ressens bien. L'histoire principale, pas trop, mais là... Là oui, là il n'y a pas photo. Ah la pluie, je vais faire tout. C'est un peu ça le problème avec cette arme par contre. Ouais, c'est vraiment un problème. C'est pour ça que je l'aime plus trop en fait, une fois qu'elle a la cadence augmentée. Ça me pousse à rester statique. Enfin, statique, non, mais faut que je maintienne mon tir. Même quand je prime, ça me bloque en fait. Ouais, ça me reset mon tir en fait. Ah, ça c'est chiant. Regarde, hop. Ouais, ouais parce que j'arrête de tirer. Ah, ça c'est un problème ça. Ça c'est vraiment un problème pour l'arme. Ça y est, on a la charge sous munition qui est débloquée. Ouais, non, ça, on va la changer dès qu'on peut. On a une clé. Oui. Ok. Non, attends, là on a... Là... Ça c'est une partie importante, c'est une partie... petite partie. Je peux les intervertir ou pas? Non, je peux pas. Non. Ah non, non plus. Bon bah voilà, au moins on pourra que tirer. Ah, c'était où la vie ou ça? Ok. Je pense. Ça marche. Tirer sur le machin. Ah oh, merde. Ouais, d'accord. Ah
fait exprès ou quoi? Ça c'est pas... Bon... J'ai dû tirer sur la bête où elle a dû être activée. La bête qui fait un cercle là. Je devrais peut-être lui tirer dessus et foncer en fait directement dessus. Comme ça, ça évite de la perdre. Que peu importe en fait qu'elle m'envoie dans un autre monde pendant que je combat, on s'en fout. Oh là là, ça a l'air fun ici. Oh mon dieu. Putain! C'est trop lent! Ah, voilà, nickel. Alors, on a le barrage vertical et on a la toile. Et en plus, elle est niveau 19. Le nombre de résines nécessaires à l'amélioration de l'intégrité massive. Oh, que deux maintenant. Ça tue. Ah, j'ai mon truc qui déconne maintenant. Ouais, non, on a une chance de... Enfin, pas une chance en fait. Si on a l'adrénaline au max, on peut se faire toucher une fois. C'est ça, hein. Avant de la perdre. Ah, un glyphe. Peut-être qu'on va avoir la toile. Oh là là, quel débile. Ça fait des bons dégâts et surtout ça les stun en fait facilement. Ça les stun assez facilement, je suis content. Let's go. Merde, c'est un boss ça, hein. Mon boss. Ah, ça y est, j'ai la toile. C'est vraiment top. Merde. Ah ouais, c'est pas mal là. Oh, y a une boule. Non? Ouais. En fait, c'est beaucoup plus dispersé. Mais ça fout un bordel monstre, en fait. C'est super, les effets. Top.
Par contre, j'aime pas le mon truc, mon tir secondaire est bof. Ah ouais, non, mais c'est méga puissant. Utiliser les consommables. Moins de dégâts des armes lorsque dans les airs. Si on trouve un consommable à la con, on l'utilise. Je les entends toujours avant de les voir. La pulsation incessante. L'œil térébrant. Les tentacules qui se tordent affamés. Ces sons annoncent le châtiment. Le tourment. Et si je l'abats, il revient. Plus fort. Plus cruel. Il me regarde. Toujours ce regard. Super. L'animation de mêlée augmente, non. L'intégrité max augmente les dégâts des armes. On va faire ça. Dans ce type de jeu, hein, plus vous faites mal et mieux c'est. Hein. Plus vous en sortez, hein, en théorie. Hein. Oh la 24. Ah mais attends, c'est la même arme avec deux... Attends, là on a... alors, toile de pylône, ça c'est bien. Et on a augmente la cadence de tir. Chambre profilée. Et on a encore le barrage horizontal. Enfin non, là le barrage vertical. Là, là. Ouais, vertical et sur horizontal. Celui-là, il a quoi? Vitesse de projectile? Ouais, vachement élevé. Là, elle est un peu grande la tour. Je vais bien récupérer mes points. Fait méga mal. Je crois que j'ai pas vraiment récupéré beaucoup de points. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ce machin? Il y a des effets sur ça, sur sa combinaison. De puissance. Plus que n'importe quoi ici. C'est dégueulasse. Waouh. Ah, c'est quoi une arme spéciale, genre le BFG? Alors. Les dégorgeurs sont de puissantes armes consommables qui remplacent temporairement votre arme principale. Ramassez un nouveau type de... Dysfonctionnement réparé et on a le dégorgeur. Convertit tous les dégorgeurs existants en dégorgeurs de ce type. Lance un essaim dévastateur de projectiles à tête chercheuse. Je peux voir un peu. Équipement. Non. Non, équipement, c'est les armes consommables. Dégorgeur à vague infectée. Une arme à usage limité d'origine inconnue qui libère plusieurs... Paramètre encore à tête chercheuse capable de se disperser entre plusieurs cibles et infliger des dégâts importants à une seule cible. Son énergie s'épuise lentement au repos et très rapidement à l'utilisation. L'arme peut être rechargée, mais l'utilisation d'un type dégorgeur alternatif remplacera sa fonction originelle. D'accord, donc on peut avoir différents types, mais si on a un seul type, tout ce qu'on ramasse, ça sera ce type-là, je crois. J'ai compris. On peut le recharger apparemment.
Voilà. Mais je suis pas très fan du machin aléatoire, honnêtement. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va partir. Ouais, ça peut être un truc bien en fait. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais si c'est inconsommable, je m'en fous un peu en fait. Ah, regarde ce carnage. Merde. Pas encore très à l'aise avec le personnage, j'ai l'impression. Enfin, si, enfin, j'ai compris comment elle fonctionne et tout, je sais comment elle fonctionne. Mais c'est elle est pas assez agile. Parce que quand on, genre quand on saute, en fait, elle reste trop un peu en l'air. Genre quand on sprint, on peut plus... Quand on fait un dash, on peut plus faire grand chose. C'est assez dangereux. J'ai remarqué que je me prends beaucoup de coups comme ça. Ça, je sais pas pourquoi c'est invisible à chaque fois. Oh là là. Pourquoi c'est violet? Oh la vache. Merde. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'ai une clé. Dégorgeur à vague infectée. Donc on en a deux. C'est bien parce qu'on se remet pas mal de vie en fait quand on combat. Normalement j'ai quoi, 10% de chance. Ah, le disperseur avec expulsion rapide. Ouais mais non. Ah oui, maintenant on a libéré le fait qu'il tire plus vite, c'est ça? On peut faire 4, on peut faire 4 de tir. Ouais, en fait, on peut. Ouais. Par contre, faut faire attention au rechargement. Faut pas se louper, sinon c'est la merde. Ah, bonjour. Oh mon dieu. Et si on faisait ça? Donc ça c'était le l'arme, pas mal. Donc c'était l'arme. Elle est bien. Elle est bien. Et apparemment elle passe à travers les boucliers aussi. Ah, les parasites. Ça permet de trouver plus souvent des matériaux, réduire l'efficacité de réparation.
Vitesse dégâts des armes 25 pour 15 prochaines éliminations. J'aime bien un truc qui reste longtemps. Réduit l'efficacité de réparation. Permet de plus souvent des matériaux sur les ennemis. Ouais, on va prendre ça. Ah, c'est un ou l'autre. Je sais pas exactement ce que c'est les matériaux. Ah, j'ai pas de clé. J'ai pas de clé. Eh ben. Ah non, on a mal joué. On va changer pour la carabine un peu. Déclenche ou répare les dysfonctionnements, répare l'intégrité. Attaque avec un rayon concentré qui inflige des dégâts très importants. Bon, ça va, on a récupéré. Par contre, on a des trucs. Donc, barrage vertical, recharge aux munitions, bombe quand les ennemis meurent, produit une chance d'infliger des dégâts supplémentaires, améliore grandement la précision et le recul. Plus la détente est maintenue, plus la garantie augmente. Ça, c'est du beau. On a plus de soin par contre. On va devoir bien jouer. Ah, le combat au corps à corps, c'est chaud. Quand même. Track évité. Oh, attends, je vais voir ce que t'as. Alors, la visée mortale, c'est cool. Les ondes, c'est cool. Projectile dentelé. Affiche de dégâts supplémentaires. Oui, ça, c'est du tot. Crée un portail qui tire un rayon sur les ennemis proches. What the fuck. On va prendre ça. Ah, traquer les capsules de brille. Ça, j'aime pas trop. Je pense que la portée est pas des masses. Bah, après, ça reste longtemps, apparemment. Mais. La portée a l'air pof. Ils peuvent transpercer les surfaces. Je réussis à infliger des dégâts supplémentaires. Non, je préfère l'onde. Et le tir de sniper, là. Ouais, en fait ça dure pas très longtemps au final.
Ouais, non. Ah, boss. Non. Tu fais avec mon tir ou pas? C'est bon. Deuxième phase. Subir des dégâts vous fait perdre des abolites. Ah, c'est super. Qu'est-ce qu'on fout là quoi? J'ai vu qu'on avait une nouvelle entrée de journal. Phase 3. En plus, on se soigne moins, mais on récupère plus d'objets. Enfin, j'en sais rien. C'était peut-être une connerie d'avoir fait ça. Différente à présent. Comme si elle poussait. Les gaz d'armes 10% tant que vous avez un dysfonctionnement. Récupérer de la résine pour faire un bouclier. Faire un bouclier qu'on récupère de la résine. Alors on peut faire le bouclier et ça. Parce que les dysfonctionnements, on a des permanents, donc on aura toujours 10% de dégâts. Ou alors on va pour le 10-10. Mais bon, je pense qu'on va faire ça et celui d'à côté. Oh le bordel de merde.
pas dû me faire toucher, honnêtement. On est plus ou moins surpuissant comparé au monstre. What? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de me faire one shot. Je crois que je viens de me faire one shot. Si le cycle finit dans la tour, le cycle commence dans la tour. À jamais différent. À jamais semblable. J'aurais dû d'abord. Venu d'ailleurs. Ali qui m'attend. J'aurais dû. Comme la maison. J'aurais dû d'abord tirer sur la tourelle. Ah merde. Putain, pourtant on avait quand même pas mal de vie. Bon, c'est quoi ça? Un lit semblable à ceux qui servent à convalescence dans les hôpitaux. Mon dieu, t'es folle. Célène, t'es folle. Complètement cinglée. Ah, je suis un peu déçu de mourir comme ça, j'aurais préféré mourir sur un... je sais pas, sur un truc... Pas quoi que... C'est pas si mal. Cette lumière... Toi, tu t'es en train de te faire opérer, toi. On t'a... infecté avec un parasite et t'es en train de faire un mauvais trip, en fait. Je suis déjà venu ici. Ce couloir, ça aussi je connais. Réception. Les phases en FPS, j'ai l'impression qu'elles saccadent un peu. Oh mon dieu, c'est quoi? Rusé, souverain, défir, toi qui as trompé la main, pas dans les péchés, ont été punis par Zeus, toi qui as poussé le rocher en haut de la colline et pourtant le rocher a roulé. Oh mon dieu. Tout se déroule sans cassure, éternel, infini. Okay. Je vais pas tout lire, c'est juste un poème. Prière, apparemment. Ah, c'est ça. Cassé. Ouais, ça lag un peu là. Restauré. Bizarre. Pourtant, le jeu lag pas, mais en première personne, ça lag. Désolé. Enfin, c'est pas que ça lag, c'est la capture en fait qui a du mal, tu vois. Là ça va mieux. Ah, c'est quand il se passe des différentes choses. C'est quoi ce truc? Ça par contre c'est pas une... ça c'est une table de... où on met les morts. Pas pareil. Ça. Est-ce
score de tour. Terminer le stage de tour augmente votre score. Conservez un multiplicateur de peur levé en progressant rapidement et en maintenant votre niveau d'adrénaline. D'activer la progression construite par Astra. D'archiver. Ah, pardon. Ok. Ah, c'est sympa. Prends le plus haut 1. Ça, c'est des mecs, quoi. On se demande si c'est des tricheurs. Enfin, faut voir les premiers, en fait. D'accord. Bon, bah, on a bien... Ouais, non, ça va, c'est cool. Maintenir pour quitter. Ouais, bon, la tour en fait c'est secondaire, je pense. Un truc de combat infini, quoi. Mais le problème c'est qu'on gagne pas grand chose. Ah, tiens, il y a une boule. Ah, on va la toucher. Vite, vite, vite. Ah, j'ai l'impression qu'en fait. Est encore pire cette fois. Oh. Non. Ah non, c'est la ligne. Charlie. C'est le jeu en ligne. Rien à voir. Donc la tour c'est par là. Oh, c'est quoi ça? Nouveau ça. Découverte d'un étrange appareil déjà actif. Il semble vivant. Je ne reçois aucune information en le scannant. Oh, il y a un truc par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors... Knotonos. Cet appareil vous permet de déverrouiller de nouveaux objets contre de l'éther. Vous pouvez voir en progression la joie lorsque la lumière atteint le sommet. Vous déverrouillez l'objet suivant. D'accord. Alors, masse pulsante, attachée ou détachée des parasites augmente l'intégrité max. Oh! Attachée ou détachée. Et ça, c'est des trucs qu'on garde? Animation permanente. Non. Non, c'est une relique. Ok. C'est pas mal, ça. Allez, on est reparti. Le monde continue de changer. Oh là là. Attendait-il mon retour pendant tout ce temps? Touché avec ces leur bouclier là. Où aller? Il y a plus de fruits, je crois. Non. Par contre, j'ai pas beaucoup de vie. C'est gros. Il faudrait qu'elle sprinte plus en fait. Enfin, des fois elle sprinte pas en fait. Ouais. Pour l'instant ça ira.
Waouh, ça pour ça. Tuer les ennemis, 15. Ok, ça marche. Surcharge désactivée, ça marche. C'est pas très très embêtant en fait. Attends, il y a un point d'interrogation. Enfin, quoique, là j'ai une arme qui recharge lentement. Bon, on verra. J'ai quand même failli aller dans les tirs, hein, parce que j'ai légèrement oublié que c'était des dégâts. J'ai cru que c'était des objets à récolter. En haut. Bah après c'est que de la vie, mais... faut bien savoir comment on monte en fait. Ah! C'est bon. Très bien. Vent de résine. Deux emplacements d'amélioration. Ouais, mais... dysfonctionnement élevé. Ouais, bon, bah on va faire ça. Yes, un cube. J'ai toujours pas fait attention à ce que ça faisait les cubes en fait. Genre... déposer un appareil blabla. Mais c'est quoi en fait ce qu'on a du coup? Genre ce qu'on garde. J'ai pas compris. Pas dû faire attention en fait. Ok, il n'y a qu'une seule porte. On va continuer encore un peu. On va faire encore un épisode de 2 heures à peu près. Pulseur anti-énergie. Déclenche une explosion d'énergie qui transforme une projectile de nuit en... Comment faire de la merde là? Faire.
côté. Faut une autre arme. Allez, j'aime pas le... Putain, à chaque fois c'est... Aïe aïe aïe. Quoi ces machins? Vas-y. Ok, dégâts. Permet de réutiliser un consommable pour des fonctions critiques en se détachant. Ça c'est pas mal ça. Ouais, mais j'ai pas de consommable extrêmement bon. Je sais pas trop. Ouais, on a qu'à le prendre. Ah oui, c'est vrai qu'on gagne de l'intégrité là quand on a le... Quand on a les parasites. Attache ou détache, pareil, augmente l'intégrité max. En plus, c'est de l'intégrité max. Bon, ben... On va un peu forcer le fait de prendre des... Transport dans un lieu inconnu. Ah! Ouais, bon bah du coup, voilà. Résine détruite. Intégrité de combinaison augmentée. Ah, du coup, la boule, on peut la réutiliser ou pas? C'est assez nul. Ah, attends. Ok, c'est un peu mieux. Oh mon dieu. Parce que là on n'a pas de carte donc chaud. Je crois qu'on est bon. Donc du coup on a augmenté notre intégrité max. Car on a utilisé... enfin quand il s'est accroché, il s'est détaché en fait le machin. Mais du coup on peut le refaire. Est-ce que c'est le même endroit ou pas? Non, c'est un autre endroit. Cool. Je crois qu'il y a des monstres qui sont apparus. Pas sûr. Bon, c'était cool là, c'était pas mal. On a fait une sorte de combo entre le parasite, la boule et tout. Ouais, mais on peut pas nager encore. J'imagine que c'est un pouvoir qu'on va récupérer.
On va aller là-bas. Ah merde. Je sens mes cadavres qui brisent. Certains me regardent d'en haut. D'autres des profondeurs. Ils refusent de me parler sauf pour me dire. Faire ça. Je pense qu'il nous faut un pouvoir pour tout ce qui est liquide en fait. Je tiens encore la boule. Là, elle est plus petite. Notre temps est venu et ils ont disparu. La musique. Sympa. Voilà, prisme xénotech pour faire un emplacement de consommateur. Oh, okay. Oh, attendez, du coup j'ai un consommable en plus. Le hard didacticien. Dévotez finalement nouveaux objets, vous adorons dans votre combat contre le cycle éternel. Il utilise de l'éther, une ressource qui ne disparaît pas après la mort. Ça je connais tout. Dégorgeur, ça marche. Voilà. Enfin, dysfonctionnement détruit. Alors, ça c'est le lance-roquette. Crachat explosif. Ça fait quoi le crachat explosif? Vu son nom. Explose à l'impact ou après une certaine distance. Ok. On va prendre de lance-roquettes. Donc on a l'obus explosif chambre agrandie. Augmente la limite de surchauffe. Projectiles ont une chance d'exploser deux fois. On n'a pas vraiment des armes qui m'intéressent. Hein. Je vais être honnête, là c'est bof. La thalassophobie, hein, ça existe. Donc arrêtez de me foutre dans l'eau. Alors, voilà. Ok, pas mal, pas mal.
assez grand, dis-moi. De pas trop sprinter. Ça, il faut une clé. J'ai pas de clé. Ah non. Ok, ça c'est un boss, ça. Je... Ça c'est la résine nocif. Ah, j'ai pas de clé, merde. Va aller faire le boss machin là. Attends, j'ai quoi comme objet? À chaque fois j'oublie ça. C'est quoi ça? Convertis les abolites ramassés en intégrité. Ok. Donc les petits trucs qu'on te ramasse, ça devient de la vie. Quelle merde. Oh la vache, bravo. Ah super. Truc partait, enfin dans l'eau, la violet, là, je sais pas ce que c'est. Quelle merde. Alors, augmente la limite de surchauffe. On a les Saint-Tracker. Bon, ça va bien se passer.
Alors, impact projectile fatal. Venger ou piller. Je sais toujours pas ce que ça fait piller. Fais voir piller. Ah, okay. Donc, tu récupères de le, des consommables. J'ai pas eu le temps de voir. Je sais que c'est un parasite, j'ai pas eu le temps de voir ce qu'il fait, j'ai pas eu le temps de l'attraper. En plus, faut rester appuyé. Ouais, non, c'est. Là, c'est la merde. Fait chier, c'est peut-être un bon parasite en plus. C'est quoi ça? Féminise contre les effets de ralentissement. Ah, je suis dégoûté là! Ah ouais, ah là je suis dégoûté. C'est encore ouvert. Oui, mais non, c'est grave. Je commence à voir de la logique là où je sais qu'il n'y en a pas. Je ne peux pas faire confiance à mes souvenirs. La planète me connaît mieux que moi-même. La conscience collective et les sectionnés sont bien réels. Helios est bien réel. L'astronaute manque à l'appel. Je ne l'ai trouvé nulle part. Où est-il passé? Ah, me dis pas que c'est un boss en plus. Non. Des roses fantômes. Le langage des sectionnés aurait-il évolué? Souvenir sectionné qui voit un astronaute sur le point d'atteindre l'entrée dans la maison. J'ai pas beaucoup de d'objets de ressources. Intégrité max. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Attaquer les mêlées plus puissantes et brise les barrières jaunes. Après deux projectiles énergiques frappent deux ennemis. Pas un trio de 2% et dégâts infligés par niveau d'adrénaline. Ouh, c'est bien ça. Permet une attaque de mêlée plus puissante et brise les barrières jaunes. On va prendre ça parce que... Du coup, ça nous permettrait de récupérer plus d'objets pour les barrières jaunes. Enfin, derrière les barrières jaunes. En haut. Ah, j'aime bien ce système de toile là, ça fait super mal quand même. Puis ça reste, ça qui est bien. Comment on fait? Merde, on peut pas. Ah.
Ouais, non, je sais pas. On verra ça plus tard. On avance. Il avait une putain de résistance, le machin. Oh, tous ces moments de ma vie. Ce monde me les arrache un par un. J'avoue que... J'ai posé 3 éthers. Il savait que je reviendrais. Les émissions de mêlée réparent l'intégrité, réduit le délai de récupération de la rue à 15 secondes. Ouais, bof. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que... parce que ça me frustre. Là j'avoue que c'était bof. Là j'avoue que c'était un peu merdique de mourir comme ça sur un... juste un monstre. Mais ouais, on progresse, hein, on progresse, hein. C'est juste que là, le roguelike, c'est pas mon truc, donc là, quand ça se passe comme ça, c'est pas top. On est mort au moins 3 fois, je crois, dans cet épisode. Ouais, au moins 3 fois. Ça serait bien qu'on ait plus une arme aléatoire au lieu que ça soit le pistolet à chaque fois. Enfin, je sais pas, bon, c'est pas grave. Sinon, ouais, on augmente chaque fois, on évolue, c'est bien. Enfin, je crois. En tout cas, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. On va voir où est-ce qu'on peut aller. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.